Salut à tous et à toutes, c'est Mister Lupalo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je mets le chrono tout de suite, pas comme la dernière fois. Pour l'épisode 2 de Mario et Luigi Superstar Saga. Je suis vraiment content de continuer ce let's play. Hein. Enfin, je sais pas pourquoi je l'aurais arrêté. Donc on va pouvoir continuer notre aventure. Là où on s'est arrêté, c'est-à-dire on était aux frontières et je vous avais laissé, vous ne saviez pas ce que c'était la corde ou je sais pas quoi. Je sais plus les voix que j'avais fait du coup. C'est vrai que demain c'était un truc comme ça. Enfin, oh, quelle belle surprise! On dirait bien. Non, ça c'est Papilua. Frère Mario vient nous rendre une petite visite. Ouh, ça me rappelle de mon souvenir. Est-ce que vous voyagez tous les deux cette fois? Vous voulez passer? Comme vous le savez, c'est la frontière du royaume champignon. On ne pourra vous laisser passer que si vous nous montrez des sauts dignes de vous. Tentez le saut frontalier. Alors le saut frontalier, qu'est-ce que c'est? En fait, faut juste une corde à sauter en fait. C'est assez compliqué en fait. Bravo, vous avez réussi cette épreuve. Bon, j'ai pas commenté, je suis désolé. J'étais assez concentré. Ah, vous avez peut-être entendu Skype. J'espère qu'ils vont pas me causer. Le royaume de Vegasia est devant vous. Faites un voyage, mais restez prudent. Alors, on pourrait continuer, on pourrait refaire d'autres sauts frontaliers, mais... J'ai envie de dire que c'est pas le but. 2 secondes. Mario, personne d'autre que vous n'a pu franchir notre frontière. C'est un peu cool. Pour commémorer cet événement, veuillez accepter ceci. Vous obtenez la carte de Vegasia. Pratique, le gars. Bref, bon, ça fiche. Bon, ça c'est start. Select. Donc on va pouvoir voir la carte de Vegasia. Donc voilà à quoi elle ressemble. On est au plateau Stella. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Non, ça c'est... Ok, et comment on part? What the fuck? Ah non, c'est B, je suis bête. Ouais! Ah, je pense que c'est un espèce de téléporteur. Ah, c'est pratique ça! J'avais pas vu ça. Oui, bon, ça, je suppose qu'il faut éviter les pics! Et je fonce dedans. C'est horrible, il y a des pics, je vais mourir! J'adore la musique de cet endroit. Elle a peut-être un peu énervante. Je me suis fait avoir quand même, Véro. J'aurais dû leur sauter dessus. Donc, nos premiers ennemis. Je vais essayer de combattre le plus de monde possible. Voilà, vous avez entendu Skype. Ah! Voilà, t'es mort. Espèce de bête. J'aurais peut-être dû fermer Skype. Je savais qu'il allait me causer un plus. Je lui avais mis un message juste avant. C'est pas grave, je suis un peu con. On va dire qu'on a rien entendu. Je répondrai pas. Il comprendra que... Voilà. Alors, un truc que j'aimerais vous parler aussi, il y aura sûrement des invités sur ce let's play. Je verrai qui ce sera. Voilà. Dans le nez. Enfin, dans le nez. T'as pas vraiment de nez. Ah si, je vais peut-être... Je vais pas regarder, en fait. Faudrait que je vois. On va peut-être sauvegarder. Je crois que là il y a un petit événement qui va se passer. Je vais pouvoir faire mes talents de parlage. Allez, oui, c'est bien. Tu veux plus tard. Alors, c'est parti. Oh, c'est cool, tu gagnes les pièces. Hein. Oh Mario, tu arrives au bon moment. Attends, est-ce que je crois que quand j'avais fait cette voix, on n'entendait pas trop. Fais-moi sortir d'ici, je t'en prie. Ouais, on va plutôt faire ça. Oh 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 oh! Toi, Bowser, grand roi parmi les monstres, tombé comme ça dans un canon. De quoi as-tu l'air?
Qui es-tu? Je suis Styrex, le roi des monstres du plateau Stella. J'ai entendu parler de toi, mais tu n'as pas l'air si fort que ça. Si tu veux que je sorte de là, donne-moi de l'argent. Si tu me donnes toutes les pièces que tu possèdes, je te libère. Et je garderai toutes ces histoires humiliantes pour moi. Quelle honte. Quoi? Tu veux me donner les 119 pièces de monnaie que tu possèdes? Ce sont les pièces de monnaie du royaume champignon. Ici, c'est le royaume de Vegasia. Je dois changer ces pièces étrangères. Et selon le taux de charge actuel, 119 pièces de monnaie champignon valent 10 pièces de Vegasia. Quelle arnaque. Si tu n'as que 10 pièces, je ne sais pas si j'arriverai à garder ce secret. Je saurais me taire avec 100 pièces de Vegasia en plus. Si vous ramassez les pièces qui se trouvent par ici, je consentirai éventuellement à aider Bowser. Oui, je sais que... Bon, alors, c'est parti. Donc, c'est un peu un arnaqueur. En même temps, ça paraissait trop simple aussi. Donc, on va pouvoir s'entraîner et chercher toutes les pièces. C'est assez facile. Hein. Je pense que ça va nous prendre un petit épisode. Pouc ! Voilà. Alors, on va bientôt monter de niveau encore. Mince. Il est... Déjà, on a combien de pièces, là? Voilà, on en a 17. Ça va être assez rapide, c'est bien ce que je vous dis. On est à combien de minutes de vidéo? 6, ouais. Enfin, 6, 7, plutôt. C'est parti. Oh, ça descend. Ça monte assez rapidement. Ça devrait être assez facile. Et il y a quelques petits événements qui vont se passer. Vous allez pouvoir voir ça. Et on va s'entraîner en même temps. Je sais pas si on aura cette attitude. Non. Dommage. Tac. Oh non, mais tout, c'est de l'arnaque. Je pensais les avoir en du coup. Mais en fait, pas du tout. Je me suis fait arnaquer. Tac. Voilà. Ah voilà, un niveau de montée. Ok, donc alors attendez, la défense, qui est le plus nul? Oh, 2, ça... Ah, c'est pas mal. 14. Donc là, 8G devrait monter de niveau, selon toutes les logiques. Oh non, ça c'est horrible. Enfin, je sais plus ce que ça, trop ce que ça fait. Oh, ça va, non. Mais je crois qu'il y a des événements qui se passent parfois et ils sont plus rapides ou... Je crois qu'il y a des choses du genre. On va d'abord tuer... Enfin lui, parce qu'il est tout seul maintenant. Non, en fait ça va. Je sais pas pourquoi je disais oh non. Peut-être fait penser à un autre monstre... Je sais pas. Voilà, il est mort. Ah, il fait 3 points de dégâts maintenant. Mario. C'est assez pratique. Donc... On va augmenter les PF. Alors, les PF, ça servira juste après, vous verrez ça. Bon, hein, c'est vraiment d'arnaque. Y a rien d'autre? Y'a rien d'autre! On continue d'avancer. Alors, après, on pourra plus remonter, donc on va passer par là rapidement. Ah. It's intéressant. Alors ça, c'est assez drôle, vous allez voir. En fait, il faut que... Voilà, ça fait comme ça. Et en même temps, il faut appuyer pour avancer. Voilà, c'est assez drôle. Pardon, je parle pas trop. Alors, est-ce qu'on peut monter en haut? Non, ce sera après. Parce qu'on va débloquer une capacité spéciale. Siro, ah, c'est assez utile. Voilà l'événement spécial. Sergent Stella, l'étoile filante de tout à l'heure est peut-être un alien qui attaque notre pays. Au nom des frères Stella, nous devons la trouver à tout prix.
Général Stella, je viens de repérer un objet étrange. Il est d'une couleur verte éclatante. Je l'ai également repéré. Il n'est pas vert, mais rouge. Il faut vérifier de toute urgence. Oh, mais oui, c'est Mario du Royaume Champignon. Oh, et lui, c'est Luigi. Sergent Stella, demande-leur un autographe tout de suite. Ah là là là. Quoi, ils ont vraiment osé faire ça à la princesse Peach? Il faut qu'elle retrouve sa jolie voix à tout prix. Nous allons faire quelque chose pour vous aider. Alors, on va vous apprendre l'action double des frères Stella. Ne perdons pas de temps, commençons l'entraînement spécial. Prêt à suivre l'entraînement? Oui, bah oui. On est obligé de le faire, de toute façon. Oui, bon, alors... Là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur L. Oui, donc, je sais comment faire. C'est écrase Mario, et voilà, il saute. C'est ça, les techniques spéciales que ton... Non! Ah, j'ai appuyé sur... Oui! Ah oui, bon, ah oui, appuie sur L. Ah, c'est long, en plus. Oui, je sais comment faire. Cette boule cheveux. Non, c'est bon, j'ai déjà écouté deux fois. Ok. Ouais. Je sais comment faire. Ah oui, alors ça, c'est un peu énervant. Je suis vraiment un boulet, mais je veux passer les trucs vite, et du coup, je rappuie sur le bouton. Et faut que je fasse gaffe. Parce que c'est pas intéressant ce qu'ils disent, enfin, je veux dire. De toute façon, je vais vous réexpliquer après, parce que... Il explique pendant une heure. Alors, là, le truc énervant, c'est qu'il faut les échanger. Mince. Ce qu'il y avait pas dans les autres Mario et Luigi, du coup, c'est un peu compliqué, par contre. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est un peu plus long, du coup. L'entraînement est terminé. Oui. Alors, montrez-nous le résultat de votre entraînement. Avec le super saut et le saut en vrille, essayez de prendre le drapeau qui se trouve là-bas. Ok, ok. Ok. C'est simple. Ok, en fait, non, c'est simple. Quel talent, vous êtes de véritables frères. Je constate que vous maîtrisez parfaitement le super saut et le saut en vrille. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre aventure. Bonne chance. Pardon. Donc, ouais. Tout ça pour ça. Bon, voilà, du coup, on va pouvoir continuer dans d'autres sens. Faut que j'échange. Quoi? Attendez, il y a un bug. Je suis coincé là. Ah non, il y a un passage. What? Ok, c'est un pylône en fait. Ok. Ah, je crois que j'ai fait perdre à lui dire. Ah non, c'est ça qui est énervant par contre. Faut tuer celui-là. Ouais, lui dit, tu te réveilles. Non, mais qu'est-ce que tu fais à taper lui? Voilà, tac. C'est rigolo, oui. Voilà, ça c'est fait, toi tu meurs aussi, voilà, et donc il reste plus que toi, tu vas peut-être mourir là, non? Voilà, vous voyez, Mario il fait 3 aux petits, parce que les grands ils ont plus de... ils font plus de... ils ont plus de défense. On est à presque 15 minutes de vidéo. Oh. Non.
Allez, on va faire un peu de combat quand même. Faut que je regarde à combien on est au niveau... Toc. Au niveau du... Ah, j'ai oublié. Oh, mince. Au niveau des pièces, parce qu'on va... On va pas aller trop loin non plus si on a toutes les pièces déjà. On remporte des pièces à la fin des combats, si je ne m'abuse en plus. Donc ça fait déjà pas mal. J'ai eu un bug. Oula, j'ai des gros bugs. C'est revenu. Je sais pas ce qui s'est passé. J'espère que ça va pas décaler le son de moi et de ma voix. Ah bah non, c'est pas logique. Que ça tout décale. Je sais pas pourquoi ça a bugué comme ça. 66 pièces, t'es sérieux? Je sais pas, il y a eu un bug. Oh là, quelle chance. Non! What? C'est quoi cette choune? Ok, ce combat aurait été très rapide. C'est pour ça. Ah, alors, attention. Voilà, ça c'est fait. Maître Mario et lui, Maître Luigi. Je sais pas qui parle, c'est un peu dur de faire. À la prochaine fois. Au fait, nous avons oublié de vous dire quelque chose tout à l'heure. Les nouvelles actions que vous apprenez peuvent vous servir pendant un combat. Maintenant que vous maîtrisez le super saut et le saut en vrille, vous pouvez utiliser ces techniques en combat. Voyons comment vous appliquez ces techniques en combat. Oui, bon. Vous arrêtez de parler en combat. Oh. Les mecs, pas du tout. C'était... Je me disais aussi pourquoi ils montent pas les trucs. Alors, la petite tutoriel. Alors là, je vais laisser le tutoriel parce que je me rappelle plus trop. La commande de l'action du haut. Ah oui, alors, saut de frère. Alors, Mario, voyons, ouais. Alors, on attaque. Arrête. Comme vous voulez voir, ça s'est sombré. Les mecs, ils volent. Ok. Ainsi fonctionne l'attaque du haut. Ok. Attendez, parce que... Pourquoi je refais? Ah oui. Ah oui, on peut changer de... Alors, le mode 2 est plus rapide, le mode 3 est sans les icônes. Alors, je vous explique ça. Attendez, parce que... Dès que vous apprenez de nouvelles actions, utilisez-les tout de suite en combat. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite de vos aventures. Bonne chance. Alors, j'ai pas beaucoup parlé parce que je me remémorais comment ça marche, c'est un peu compliqué. On va faire un petit combat. Et je vais vous montrer comment tout ça fonctionne. Ok. Ah, j'ai fait peur à Luigi. Et si je fais un truc gros? Ah, je peux pas. Oh, quel connard! Réveille-toi, voilà. Alors, on va faire un truc bros. Alors, en fait, L et R, vous voyez, si j'augmente. Alors, 1, vous aurez les commandes. Ça ralentira avant de faire l'action, et ça mettra la touche sur laquelle il faut appuyer. Le 2, il n'y aura pas le ralentissement, il y aura toujours les touches sur lesquelles il faut appuyer. Et le 3, il y aura Cupoui. Mais pour l'instant, pour commencer, on va faire 1, parce que sinon... non, c'est pas ça. Je me craque, mais moi... Volontairement, j'appuyais que sur A, quoi. LOL! J'ai fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Bon, cette fois, on va réussir avec... Mince, c'est pas ça que je vais faire. On va réussir avec Mario. Voilà.
Alors, pour le début, oui, je vais peut-être... C'est pas vraiment de la triche, mais... C'est un peu cheaté, quand même. Voilà. Au moins... Bon, voilà, je teste, mais je vais peut-être garder ces attaques. Parce qu'en fait... Vous voyez, les en bas de l'écran, on voit les points de vie de Mario et Luigi. Et on voit une petite balle à moitié. Et la petite balle, en fait, c'est le nombre de PF. Et le PF, en fait, les PF servent à... Oh, merci Mario, tu tombes à pic. Les PF, c'est le nombre de fois que vous pourrez utiliser les attaques spéciales, en fait. Alors, d'ailleurs, c'est moins fort. Tac. En bas 2, génial. Du coup, il nous faut de l'argent. Objectif principal. Oh, bah, on y est presque. Oh non, mais Luigi, il a toujours peur, c'est pas possible. Quel trouillard. Mais je comprends pas parce qu'il a peur, mais après, il a plus peur. C'est pas grave. On peut. What the fuck, ce mec. Sur les bords. Tac. Alors, on est à combien? 21 minutes. Je vais bientôt arrêter. Mais ça va être la fin de cet épisode. Oula. Ça va être beaucoup trop bas quand même, mais... Écoutez. Mais il est invincible, ce mec. Il me fait chanceux. Ce... Ah, meurs. Meurs dans notre souffrance. Voilà. Je préfère. Alors, Luigi, à quel niveau on va t'augmenter? Alors, soit c'est les PF, soit c'est la défense. La défense, on va dire. Je préfère miser sur la défense un peu. Et surtout pour ça. Pour avoir un point au final. Alors, est-ce que je gagne? Ouais, j'en gagne pendant les combats. Ah, mince. Je suis craqué. On va faire un... Non, mais pourquoi? Pourquoi Mario passe au-dessus? Bon, on fait un tout dernier combat. Et ça va être la fin de cette vidéo. On va pouvoir retourner voir l'autre gars. Et Mario est beaucoup plus fort. Avant, quand il contre-attaquait, ça faisait que un point de dégâts. Alors que maintenant, ça en fait deux. Quand même un peu plus puissant. Je sais pas combien ça fait. Est-ce que vous pouvez attaquer Luigi? Merci beaucoup. On saura un jour. On saura un jour. Ah, il fait 5 points de dégâts et Luigi en fait 7. Ah non, maintenant il a eu un coup de chance. Attends, bah, du coup, on va essayer de passer rapidement. Pas grave. Cassos. Comment on fait? Ah oui, en fait, il est activé. Du coup, ça va être plus simple comme ça. Ah ouais, on est là au début, vous vous rappelez. Et donc, là se trouve Bowser qui est juste là. Coucou Bozy. Bozy. Là, il est là. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je vérifie quand même qu'on est à 100 pièces. Voilà, on a récupéré les 100 pièces que voulait le gars. Qui s'appelle Skellrex, je crois, si je ne m'abuse. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. J'arrête le chrono. Écoutez. Voilà, c'est magique. Donc j'arrête ce... Voilà, la vidéo est terminée. 45 minutes de jeu. C'est plutôt pas mal. Je suis encore meilleur parce que c'était là que je m'étais arrêté. Alors non, il y a encore 5 minutes que j'ai testé, mais après, je découvrirai le jeu en même temps que vous. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour la suite et d'autres séries. Allez, salut !